C'est aussi un monde qui a un sponsor qui a appliqué pour lui dans le programme Parole que le gouvernement américain a mis sous pied pour citoyens haïtiens, citoyens vénézuéliens, cubains et nicaragouiens. Et que a confirmé sponsor ça. C'est sûr et certain que vous pourrez gagner pour soumettre photo passeport avec photo PAO by CBP. CBP, c'est une agence qui est détachée avec Department of Homeland Security, ça nous relie DHS. Ok? C'est ça que tu as comparé avec agent douanier en Haïti. So, venez montrer comment vous faites ça. Premièrement, si vous avez Android, vous pouvez aller sur Play Store. Moi, j'ai un iPhone, vous pouvez aller sur App Store. Ok? Vous pouvez chercher une application qui relie CBP One. Bon. Mais CBP One, vous pouvez remarquer que j'ai déjà gagné qui est téléchargé, soit sur téléphone, moi, ou à ouvrir. Ou à accepter avec condition yo, ou à cliquer continue. La pmado pour que au login ou bien au sign up. Login c'est si vous déjà gagné un compte qui crée avec lui. Sign up c'est si vous pas gagné un compte. Ma cliquer sur sign up pour qu'a créer un compte. Cliquer sur accepter, continue. L'arrivée là cliquer sur create an account. Ou à mettre email que vous avez souhaité utiliser. Ah, probablement email pour mettre là, c'est email que vous avez utilisé pour que vous te soumettre application là. Alors, le même email ou t'es utilisé, pas oublier que le sponsor a appliqué pour ou t'es bas sponsor ça son email, yon email, utilisez email ça. Ok, moi m'a utilisé email PAM, que m'te bas yon sponsor. M'choisi anglais, ou ka choisi langue ou vlea ou même, dépendamment de qui langue ou parle. Et puis ou approche, I read and accept the login.gov. Submit. Ok, à partir de ce moment, li voye yon email ba ou, nan même email sa, on a checké email sa pour nous qui ça dit. Parle sur Gmail. Ok. Mais email que nous recevons, ok, m'a juste cliquer sur Look Safe, de manière à ce que pour Google, kabam accès pour que moi clique sur le lien. On va essayer de prendre la Safari. Ok. Là, il marche très vite. Ok, le nom arrive là. Là, vous pouvez mettre le mot de passe que vous avez souhaité utiliser dans l'application. Ok? So, là, vous pouvez lui proposer un mot de passe, mais moi-même, je dis Other Option. Non, iPhone, je vais utiliser propre option PAM. Choose my own password. Ok? Je vais choisir propre mot de passe PAM pour mettre dans l'application. Voilà. Je vais cliquer sur Continuer. Ok? OK, là l'appement des moins l'état veut utiliser deux facteurs d'autorisation pour que chaque fois après rentrer sur l'application hein, pour capable bon code qui vienne joindre nous juste pour assurer que n'importe qui ne pas connecter sur l'application. Hein. M'a choisi méthode téléphone non, qui c'est méthode d'a conseiller en pile nous utiliser pour plus rapide. Cliquez sur continue. À partir de ce moment l'appement des numéro. M'a dit le vraiment SMS ba moi plutôt. Il pas le voyer code là. Mais code que je vois hier, ma pente code ça, cliquez submit. Ok? So, l'image de ce que vous voulez mettre l'autre méthode, skip for now, ça veut dire que je n'ai pas besoin de l'autre méthode vraiment. Et puis, je vais cliquer sur agree and continue. Je vais cliquer sur continue. Ok. Now, à partir de là, on t'a censé dire que vous finissez créer compte là. Le fin créer compte là qu'on y a, on met tout sur l'application qui est le CBP One là. Pour que vous capable de connecter. OK? Now, là, on a cliqué sur cancel, on a cliqué sur login, cette fois-ci, accepter. À la différence que cette fois-ci, nous pas cliqué sur create an account encore, on a entré directement avec email nous, parce que nous avons déjà créé un compte. So, ou après que, mon entrée avec email, mon mot de passe, et puis il veut un code pour moi, m'entrer code ça. À partir de ce moment, mon entrée sur l'application CBP One. Le arrivé là, m'a cliqué sur première option qui c'est traveler, parce que c'est voyage ou pas voyage. L'arrivée là, on va cliquer Air. Ça veut dire que ce n'est pas avion à venir. Ce n'est pas ni dans bateau ni sous terre. Cliquez continuer. L'arrivée là, cliquez Advanced Travel Authorization. OK? Je vais cliquer sur lui. Choisis langue ou vléa, je choisis anglais. Continue. Là, on va cliquer sur Request Advanced Travel Authorization. Là, on va entrer numéro. On va entrer numéro Alien Number. Alors, qui est-ce qui est Alien Number? Alien number a son numéro que vous avez tout le monde qui est ici,
qui pas américain. OK, so moi même pour entrer alien number pam nan. Qui c'est OK. OK. Now cliquez après fin entrer alien number là. OK. So cliquez continue. À partir de ce moment, on va priver côté pour que on prend au scan passeport avec au scan visage. On applique sur scan passeport. On va mettre photo passeport devant. Attention pour trop lumière pas tomber. Après là, il prend numéro passeport avec toute date de naissance point. OK? Now, nous pour arriver dans la partie pour prendre photo pour là, on va cliquer sur take photo. On va cliquer n'importe côté sur écran. Et puis l'offre fin cliquer. Alors, on va que en pile fois libre erreur ça, pas inquiéter vous. Toujours continuer faire jusqu'à ce que libre chance pour prendre photo. OK? Cliquez sur écran. Le carbone ouais ça n'est pas 10 fois même, pas inquiéto, c'est pas avoir les un problème personnel. Voilà, où est là, où met ouais j'ai un visage moins paraître là-dedans, je ferme bouche moins, move closer, m'avance plus près. Lui dit m'avance visage moins plus près. Bang, li prend photo. OK, suivez-le tout en l'abzo avancer visage ou puis près avancer visage ou et puis garantir que visage tombe directement dans ti boulon. OK, dans ti espace ou garantir pour que visage tombe là-dedans. À partir de ce moment, moi prend photo, moi soumettre passeport, m'a cliquer continue. Étant donné que moi-même personnellement, moi pas soumettre aucune requête, moi t'ai juste fait pour nous à titre d'exemple. Moi, quand je vais faire ça là, ou même, on va continuer. OK? Merci.